Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Vous voyez, donc j'ai fait un petit peu de tri dans mes véhicules, hein. Donc il y en a certains qui ont disparu, en l'occurrence le vaisseau que j'avais construit, le vaisseau de Porco Rosso, donc pour la référence, hein, que j'avais construit parce que j'en étais très déçu au final de ce que j'en avais modifié. Et aussi donc notre bipède, alors ça j'y reviendrai plus tard. Le bipède, j'y reviendrai plus tard parce que pour l'instant je trouve que c'est une classe qui est extrêmement lente, extrêmement solide, mais extrêmement lente. Et donc je reviendrai dessus une fois que j'aurai plus d'armement, plus de pixels, hein, enfin de crédit, de RP. Voilà, donc on va partir avec ce vaisseau cependant que j'ai construit, donc qui est assez frêle, vous verrez. Mais à mon avis qui doit être assez efficace, on verra bien ce que ça va donner. Hop, nous voilà partis. Allez. Ok, je regarde l'heure qu'il est parce que au final j'ai passé plus de temps que prévu à construire ce robot. Alors. Nous voilà partis. Mais voyez, j'espère que les électroplates vont le rendre un peu plus solide. Ok. Nous voilà partis. En plus, vous allez voir que prochainement, en plus, quand j'avais fait le Humble Bundle de ce jeu, donc j'avais reçu une très très longue durée de commande de premium, hein, pour avoir fait un don. Et donc cette offre arrive à sa fin, hein. Mon temps de premium arrive à sa fin, ce qui fait qu'on va avoir une grosse réduction de la vitesse à laquelle nous... Nous recevons nos RP. Qui en soi est une catastrophe, hein. Hop les. Eh oui. Ok. Ça ne touche pas. Et oui, c'est pour ça que je ne m'approchais pas de trop. L'ami. Hop, et le 2. Ok. On est somme toute assez efficace, hein. Alors qu'est-ce qui le tire? Dommage. On va essayer de s'approcher. Mais j'ai bien peur qu'il ait repris du poil de la bête, comme on dit. Aïe aïe aïe. Ça va faire mal. Ah voilà, dommage. Donc je vous l'avais dit, t'es assez frêle, hein. Et c'est vrai qu'avec deux canons en plus, voire même, je pense qu'il en a plus que ça encore, il nous a fait un véhicule qui est assez performant, je le reconnais. La savonnette sniper, je sais pas si c'est une bonne utilité, une bonne idée, mais bon, ok. Donc ce véhicule n'est pas si mal au final, hein. Il n'est pas si mal. En tout cas ce robot n'est pas si mal. Cependant il va nous falloir un maximum de crédit, hein. Ça va commencer à devenir important. Donc d'ici une dizaine de jours, donc quelques épisodes pour vous, hein, malheureusement,
il y aura deux fois moins de crédits gagnés par partie. Faudrait que j'aille voir, attendez une seconde, je vais quand même aller voir. Alors juste pour voir, parce que j'ai un doute sur les fameux tarifs, entre guillemets. D'accord. 30 000 points, ça fait 20 euros. Il me semble que c'est 24 000 points pour des robots points. Tu me conseilles quoi entre... Bah, je répondrai plus ça plus tard. Donc, 30 000 points, donc voilà. 6 mois, c'est... Ah, ça fait 6 mois. 20 euros, 6 mois, c'est pratique. C'est pas... Peut-être que je referai ça, peut-être que je vais voir. Je verrai bien. On retourne, on y retourne. Suivant ce que ça va donner en fait avec deux fois moins de crédit, on verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Alors, on a quoi? D'accord. Ok. J'ai pas eu le temps. Il y avait un autre qui était en train de voler par là-bas. Ça c'était un joli coup de scout, hein. Ça nous a fait beaucoup, 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 beaucoup de spots. Pourquoi je peux pas le... Ok, c'est bon. On s'est sauvé la peau. Maintenant, ils vont venir nous chercher. Hop là, bonjour. Qu'il a dans les mains lui. Il aurait de grosses SMG. Ok. Là ça va être une victoire, chers amis. Ah joli. Bon, moi j'ai pas fait un seul kill, j'ai fait des dégâts mais j'ai pas fait de kill. Dommage. Bon bah écoutez, ce sera des points qui seront pas si valorisés. Normalement. Et voilà, à peine 600 000 points. 500 000 points, voilà. Bon, bah c'est bien dommage. Mais bon, ce véhicule est pas mal. Je pense qu'il va falloir que je l'améliore un petit peu. Mais bien sûr, il y aura aussi deux armements à un moment ou à un autre. Hein. Mais jusque là, il va falloir qu'on revoie tout ça. Ok. Bah écoutez, on va repartir avec notre Eagle. Hein. Le Eagle qui est vraiment pour moi le vaisseau le plus performant que j'ai à l'heure actuelle. Hein. Je sais qu'il vous plaît pas parce qu'il comporte des composants donc achetés en tant que... Enfin moi je les ai pas achetés, je les avais obtenus donc via encore une fois le Humble Bundle de l'époque. Hein. D'ailleurs ce serait bien que je pense à mettre le drapeau Humble Bundle que j'ai dans mes trucs. Mais ouais sur le principe c'est vraiment un des meilleurs vaisseaux que j'ai à l'heure actuelle. Meilleur robot pardon, je vais y arriver. Ok. Bon.
Apparemment, ils viennent de par là-bas. Du coup, j'ai bien envie de faire le tour. Et de les surprendre un peu. Waouh! Je suis pas le seul à y avoir pensé! Aïe! Ah la vache! C'est rare de tomber sur une personne qui a exactement la même idée que toi! Putain! Ça m'est pas arrivé souvent dans le jeu en fait! Bon, posons-nous. Un petit coup de régène va nous faire du bien. Oh! Oh la vache! Oh la vache! On en prend plein la poire, hein. On n'est clairement pas au bon endroit, par contre je vais attendre lui. S'il veut bien venir. Oh la vache, il m'avait attendu celui-là. Quoi? Je comprends pas qu'il en profite pas le mec là-haut là. Par contre pas une savonnette, hein. Je vais pas me faire péter par une savonnette. Pas la peine. Merci à toi le heal. C'est sympa. T'as essayé, t'as fait de ton mieux. Oh, mais ils se battent tous avec ça, remarque, je l'ai fait, c'est vrai que ça marche bien. Ah blah! J'étais le dernier en plus! Oh bah putain, cette violence. Heureusement que je dis que c'est mon meilleur robot. Hein. Mais c'est vrai que là, il y avait 3 robots comme ça dans l'équipe adverse. C'est vrai que ça fait beaucoup en fait. Hein. Elle est peut-être un petit peu OP, effectivement. Peut-être la rendre plus lourde pour éviter des ennemis volants avec. Ce qui en fait pèterait complètement mon autre robot. C'est... je sais pas. C'est vrai qu'elle est OP. En fait, à partir du moment où elle tire, elle vient à partir du moment où ça vient du ciel, c'est assez OP. Hein. C'est assez OP. Bon, on va retenter, hein. C'est marrant, il a des petites hélices, lui. The battle for Tyhonium Canyon has begun. Ok. On retente. Touchera jamais, hein, mais bon. Oula, mes mails s'actualisent dans ma poche. C'est agréable. Quoi? Mais vous êtes combien, sérieusement? Oh la gueule! Oh la gueule! Mais help! Tire sur quelque chose, mon dieu! Mais regardez-le! Regardez-moi ce branleur, il tire sur rien! Regardez ça! Il fuit! Je me fais défoncer et il fuit! Ça s'appelle Team Deathmatch, abruti! Wouah! Allez, décolle-toi du mur! Et pourtant, je peux vous jurer que je suis en train d'appuyer sur le bon bouton! Ah non, il veut pas! Ça y est! Ouais! C'est bon! Oh! Oh, j'ai pris cher! Ah, mais non!
peux même pas voler en hauteur, quoi. Mais non! Oh! Mais regardez-moi les angles qu'ils prennent! Les angles que prennent ces putains de roquettes, quoi! Oh la gueule! Ah non, mais elles prennent trop d'angles! C'est pas possible! What? Parce qu'en fait, y'a rien qui peut les esquiver, hein! Et en fait, c'est ça qui manque à ces roquettes-là! C'est un moyen de les esquiver! Encore une fois, c'est là que, je dis ça comme ça au pif, hein. C'est là que, par exemple, un sprint sur les jambes serait efficace. Par exemple. Moi, je dis ça, hein. Ou un dash, un simple dash. Vous savez, du strafe et du dash. On la retente une dernière fois. En tout cas, c'était la partie de la mort. Tu pouvais pas voler dans cette partie, en fait. C'était pas possible. Enfin bon. Peut-être que le prochain objectif sera tout simplement un TX, hein. À la place, hein. Eh bah. Un méga robot. Enfin bon. Comme d'hab, on va essayer de les prendre à revers. Ce qui, comme d'hab, ne va pas marcher, hein. Essayons de voler assez bas pour éviter tout ce qui est... tout ce qui est roquette, là. Mais qu'est-ce qui me vise? Mais qu'est-ce que... T'as quoi comme armement? Vache, il est précis, lui. Je suis pas hors de portée, là? Ah si, quand même. Minimum de respect. Non, non, je suis hors de portée, là. Oh! Oh! Il me touche. Allez-y. Je l'ai rameuté, littéralement. Hein. J'ai joué l'appât. C'était violent. Hop, je l'ai fini. Ok. Ok, il est solide. Ouais, vous voyez, si les heals étaient pas un petit peu trop obsédés par le TX. Oh, les mecs! En fait, ils sont en train de passer sur notre flanc, littéralement. Moi, j'aime le flanc. What? 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 Les mecs! Oh, les mecs! Ah, je reconnais que le TX est important, mais quand même. Allez. Oh putain, il veut pas. Il veut pas se redresser.
Et on se laisse tomber, chers amis, vous allez voir. Oh, quoi? Oh, sans ma tête, je vole mieux. Je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre dans ce domaine, mais... Ok, bah j'ai fait rien du tout, hein. J'ai rien fait. 890 dégâts, c'est pathétique. Wouh! Quelle violence! Quelle violence! Et pourtant, je fais 300 000. 400 000. Incroyable. Enfin bon. Bon. Ok. Bon bah écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. On va faire très bien dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.